Bon, allez, c'est parti. C'est parti. On va continuer ce petit jeu. Alors déjà, on va essayer de terminer cette zone. Alors du coup, pour rappel, c'est un labyrinthe. Tous les petits points que vous voyez là, c'est des statues. Faut regarder l'écran en bas. Hein. C'est des statues. Il faut qu'on aille les taper pour les activer. Là, je suis à la difficulté 2, il y en a 8. Donc là, vous voyez, il y a 8 points. Donc on s'est arrêté là, ouais. On a un timer. Et si je dis pas de conneries, le scénario idéal, ce serait de passer là. Enfin, ouais. De faire comme ça, de passer là, de monter, d'aller prendre ça. De passer ici, d'ouvrir ça, de prendre ça. Après on monte, on va là, on prend ça. Le problème, c'est qu'il y a ça aussi. Mais ça, on peut le prendre après. Donc, on monte, on prend ça. Ensuite, on redescend, on active le bouton ici qui reste dans les pics, on prend ça. On remonte, on prend ça. Ensuite, on va récupérer ça. Ensuite, on monte, on va chercher ça. Ensuite, on descend, on va chercher ça. Ensuite, on descend, on prend ça. Ensuite... Ouais, mais après, faut que je revienne là, en fait. Ça, le problème, c'est qu'il faut que je revienne là, après. Ah, c'est vrai qu'il faut que je revienne là, après. Imagine, c'est pas les mêmes statues. Oh, bah, écoute, entre le round 1 et le round 2, le round débutant et le round de maintenant, il y avait 4 statues, c'était les mêmes. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'en fait, quand on a couché les 8 statues, faut qu'on arrive ici ensuite. Parce que c'est là qu'on récupère le coffre. Donc si je récupérais ça après, il faut que je fasse tout le chemin, genre jusqu'à là, faire bouip, bouip, et voilà. En vrai, ça se fait. En vrai, ça se fait. Ouais, donc, en bas, donc, non, ça d'abord. Ensuite celui-là, ensuite on va récupérer ça. On pourrait même aller descendre. Je sais pas si ça se retire, ça. Sûrement. Et ensuite, on va chercher ça. Ensuite, on redescend jusqu'à là. On remonte, on ouvre ça, on prend ça. On redescend jusqu'à là. On saute au-dessus de là. Ouais, ça va. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Ouais, il faut récupérer le coffre à la fin, ouais. Tu joues tout de suite ou tu veux écouter les règles? Jouer. Ton niveau actuel et tu peux essayer le challenge moyen. Bien sûr. Oui. Ah, par contre, avant, je vais prendre l'arc puisque j'ai avoir besoin de l'arc. Allez. Bah, ils sont au même endroit, c'est bon. On suit notre chemin. On suit notre chemin, on fait pas le con. Là, faut juste courir. Ça peut passer au-dessus, c'est vrai. Je viens de me rendre compte que tu peux passer au-dessus en vrai. Et donc. Premier réussi. Oh, attends. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça marche si je fais ça ou pas? Non, ça marche pas. Ok. Faut vraiment les taper à l'épée, d'accord. On peut pas tenter d'arnaque. Ok. Bah, j'aurais tenté au moins. Putain de merde. Ah, oh, je suis dégueulasse. Ah, oh, je suis dégueulasse. Ah, oh, je suis dégueulasse. Ok, on va prendre le petit pont, on va aller reprendre ça, on va aller prendre ça et on remonte. Allez, go. C'est stressant comme merdier, hein. C'est le creeper, hein. Voilà. Ensuite là-haut. Ça, c'est celui qui va me faire perdre du temps, ouais, parce qu'il est vraiment pas bien placé. Ok, sixième réussi. Donc là, on redescend là. Ensuite, hop. Non, faut que je passe au-dessus, putain. Faut que je passe au-dessus. Ça va être dur en vrai. Quoi?
Ah, c'est bien pour le 7ème mois, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Ok. Attendez, je vais juste prendre 2 secondes. Ouais, ok. Parce que j'ai vu qu'il y a... C'est ça que vous voulez... Déjà ? Bah, j'ai perdu. Ah, c'est perdu, j'ai perdu. Si ça bip comme ça, c'est que j'ai perdu. Je vais tomber devant le truc, je crois. Ok. Donc je perds du temps quelque part. La question, c'est... En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faudrait pas mieux partir par là d'abord ? Genre faire ça. Ensuite, t'ouvres la grille. T'ouvres la grille, machin, tu vas là, tu récupères ça. Ensuite, on redescend, on va prendre ça, on ouvre les pics, on passe là. Tac, on prend ça. Ah non, après, je suis bloqué, moi, ici. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, si je vais chercher ce truc-là sans passer par en bas, je suis bloqué, puisque le moyen de retirer les pics et d'ouvrir le pont, c'est un œil qui est au-dessus. C'est dur, en vrai. Après, il doit y avoir des raccourcis et tout que je prends pas en vrai. Je termine plus près du coffre, ouais, c'est ça. En fait, le mieux serait de terminer sur ça. Parce qu'en fait, je descends, je prends ça et ensuite j'ai juste à sauter ce petit gap et j'y suis. Le problème c'est que comment je fais ça en fait? Et ça, c'est que le niveau moyen, hein. Le niveau expert, je sais pas ce que ça va être. Hein. Après, je sais que là, par exemple, je peux gagner un peu de temps en sautant au-dessus. En vrai, je peux même grimper là et sauter au-dessus de là. Après, en fait, je pense qu'il faut que j'utilise plus les petites montées. Même s'il y en a pas beaucoup sur la carte, en vrai. Après, je pense que le bas, il est pas déconnant de terminer là. Hein. De terminer là-haut. Parce que du coup, tu ouvres les pics là. Tu passes là, tu montes sur ce petit rebord, petit saut, hop, et voilà. Et en vrai, celui-là, on peut le laisser. Donc en gros, j'arrive, je prends ça, ensuite je fais le tour, bam, j'active l'œil, je récupère celui-là. Ensuite, je repasse ici. Ouais, on peut faire un bail comme ça. En gros, vu... mais du coup, faudrait que j'arrive à activer ça. Parce que le mieux serait que je puisse faire ça. Bam, il y a le pont, hop, ensuite je redescends là, ensuite je fais le tour là, ouais, c'est pas si simple hein. Mais c'est bien, c'est une vraie difficulté, c'est ce qu'il faut. Après des bombes j'en ai pas beaucoup. On va faire la strat de laisser celui-là en dernier. Et en gros celui-là on le récupère en passant ici, petit saut, baf, petit saut et on est au coffre. Allez. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est vraiment ceux dans les recoins qui sont durs. Ah, je sais que la souris est petite pour l'écran du bas, mais bon. Je fais ce que je peux, hein. Mais quoi? Putain, si tu relâches l'écran trop vite, en fait, ça, la flèche, elle compte pas. Quel enfer. Hop là, je me suis trompé de touche. Voilà. On t'a dirigé, c'est vraiment un camion, c'est un camion citerne pendant le Link. Hein. Voilà. Hop. Ça, ce passage, il va être long, mais bon, faut le faire.
C'est ce genre de moment qui fait perdre du temps. Mais j'ai pas le choix en vrai. Hop, ensuite on redescend. Tout là-bas. Ok. Ok. Putain, j'ai raté. La nullité. Quel enfer. Ah bon bah on y va à pied hein. Ok. Donc là je passe ici. Hop, comme ça. Y'a un monde ça peut le faire. Y'a un monde ça peut le faire. Le coffre il est juste là, je suis juste à côté. C'est gagné. Ok. Et en plus tout ça pour une carte au trésor en vrai, c'est bon bail. Ah. C'est le Pixamo. Eh ça va. Ça va. Bien. Bien joué, impressionnant. Tu veux réessayer? Ouais. Prochaine expert, je sens que ça va être une plaie. Bon bah 100 rubis du coup hein. Faire un petit save state quand même. Ça coûte cher hein. Salut Z. Et là c'est parti pour challenge expert. 14. Bon en vrai ça va, je m'attendais à 16. On va dire plus tard pour commencer. Ok. Bon. On les fait spawn. Voilà, vous voyez, on attend, on va... Oh la vache. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Quoi? Attends mais il faut optimiser les mouvements sur ça là? Faut vraiment optimiser les mouvements sur ça là? Ah déjà je les marque... il est en bas lui? Ouais il est en bas. Déjà je marque tout. Et là. D'accord. Bon. Alors. Déjà, faut se dire que pour aller... Alors, je sais pas si vous allez voir ma... Bah non, vous voyez pas ma souris. Je vais réactiver ma souris vite fait pour vous montrer. Voilà. Vous avez ma souris là ou pas? Ouais, voilà. Donc en fait, là, dites-vous que par exemple, pour ici, c'est tout bête, mais c'est soit on monte et on prend ça, soit on passe ici, il y a un grappin. Donc je pense que l'optimisation ce serait de partir d'ici pour aller là. Vu qu'ici il y a un poteau pour le grappin. Sauf que on fait ça comment? Parce que c'est pareil, ici encore une fois, si je vais pas descendre ces pics avec l'œil qui est au-dessus, bah c'est un cul-de-sac. Donc perte de temps. Donc pas bon. Est-ce que repartir sur mon chemin de base ce serait pas mal? Donc en gros, j'arrive là, je passe ici, je saute, je prends ça. Ça fait 1. J'arrive ici, j'active le machin. Hop, je récupère ça, ça fait 2. Ensuite, je passe au-dessus, j'active les pics ici. Enfin, je prends la boule là, je tire une flèche sur la boule ici pour retirer les pics ici. Pour la suite. Ah là là là, je monte, je prends celui-là. Je prends l'œil. Là, je tire sur l'œil pour retirer les pics et mettre le pont. Comme ça, je peux récupérer ça. Je vais chercher ça là-haut. Je redescends, je prends ça, ça. Je fais le tour pour ça. Le problème, c'est celui-là en fait. Le problème, c'est celui en haut. Parce que celui-là on prend en passant, c'est pas dérangeant. Mais celui là-haut, je sais pas comment j'y vais. Je sais pas comment j'y vais. Si, je sais comment j'y vais. Il faut que je passe par ce petit truc-là. En fait, là, il y a un escalier. Donc en fait, il faut que je monte, que je saute, que je récupère ça. Sauf que dans mon parcours, à aucun moment c'est rentable de faire ça. Si! Non.
Non. Oh la vache. Parce que de toute façon, pour aller chercher celui-là, par exemple, le seul moyen, c'est soit de faire tout le tour, machin, revenir ici, activer la boule, machin, revenir, sortir là. Soit de descendre ici, prendre ça, faire le petit... Ah ouais, il y a un petit détour ici, ici. Petit détour ici, tirer sur l'œil, faire le pont et aller chercher. Ah, après, en soi, c'est peut-être plus intéressant de... Genre, j'arrive de ça, je passe ici, je monte, je fais le tour, j'active le truc en passant pour retirer les pics là-haut, je prends ça, je redescends, je prends ça, j'arrive, j'active ça, bam, je prends ça, je reviens, je saute ici, bam, j'active ça. Oh putain, ça va être bizarre quand même. On peut essayer comme ça, en vrai. Donc, 1, 1, tac, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, tac, tac, on descend là, 14 et c'est bon. Tu pourrais les numéroter. Ouais, bien sûr. Bah... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on voit que c'est un 7, hein. Non, pas du tout. Je rappelle que je suis gaucher et j'utilise ma souris en droitier, hein. Voilà. 8. Tac, 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 tac. 9. 10. Non, j'ai oublié celui-là. J'ai oublié celui-là. Ah, god damn. God damn. Putain, mais je suis en train de faire des... on est où, là? 9. 10. 11. 12. 13. Et 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un 13, ça, mais bon. C'est un 3, hein. Voilà. Ouh. Ah, je passe le bac là. Hein. Ok, j'aurais besoin de mes flèches principalement. Donc allons-y. Là, ouais. Voilà. Premier réussi. Bon, j'ai laissé le curseur, hein, désolé. Vous allez tenir, vous inquiétez pas. Je crois en vous. Voilà, ça c'est pour après. Ok. On est à 2. Hop, on passe au-dessus. Oh putain, t'es sérieux? Je savais pas qu'il y avait ça. Ok, petite perte de temps. J'espère que ça va pas nous être... Bah je pense que je vais devoir le refaire de toute façon. Là c'est le round de practice. Bon, 4, 5, je sais pas combien de temps j'ai exactement. 7ème réussi, c'est bon, on est dans le compte pour l'instant. Celui tout là-haut, là, il me fait perdre tellement de temps. Et j'avais une question par rapport à tout à l'heure, hein, pour utiliser ça, ouais, j'utilise la souris, ouais, en gros. Sur l'émulateur de base, tu peux utiliser ta souris pour... tu peux utiliser ta souris en tant que, que stylet, quoi, comme t'avais avant. Ça me dérange pas la souris, je trouve ça mieux, comme ça on voit ce que tu... Ouais. Bon, après, je trouve que c'est plus gênant qu'autre chose, mais après, ouais, ça peut être. Ça active quoi, ça?
J'ai envie de perdre un peu de temps pour le faire. D'accord. Pas intéressant du coup. Hop. Ça, ce passage-là, il va être long. Ah, j'aurais... Ah! J'ai pas essayé, j'aurais dû. Non, c'est pas grave. Hop, en passant, on tape ça. Niveau temps, je sais pas où j'en suis, genre. 10e réussi. Putain. Ok, le 11, c'est bon. Le 12, c'est bon. Oh, je peux pas passer! Bah, c'est game. Bah, c'est game, je peux pas passer. Mais comment je vais là-bas du coup? Je peux pas aller chercher le 14e. Quoi? Mais ça veut dire quoi? Attends, mais. Mais comment je monte? Ah putain, me dis pas qu'il faut faire ça. Attends, je voudrais essayer quand même. Oh non, t'es sérieux? Faut faire ça. D'accord. Ok. Ok, ok, j'ai compris. En fait, il faut que je mette le grappin sur ces deux barreaux pour me projeter, en fait. Donc, c'est un truc que je peux faire quand, ça? Ok, donc le 13 peut devenir le 10. Genre, ça fera 10, 11, 12, 13 et 14. Ok. Ok, ok, je l'ai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Ok, j'avais pas fait gaffe, je pensais vraiment qu'on pouvait passer en fait, legit, mais pas du tout. Voilà, en fait on en change juste 4. Donc lui devient le 10. Lui devient le 11. Et en vrai, je sais pas, en vrai, no joke, on était pas mal niveau temps. Hein. Parce que j'ai perdu pas mal de temps justement à activer des trucs et tout au début. Mais je trouve qu'on était vraiment pas mal niveau temps. Voilà, c'est bon. Tac. Y'a pas de backseat, inquiétez pas. Ne voyez pas le mal partout, le chat. Ne voyez pas le mal partout. Je vous le dis à chaque fois, ne voyez pas le mal partout, s'il vous plaît. La bonne, c'est la bonne. On connaît le chemin. Ah mais mon chemin est pas trop mal je pense. Peut-être avoir un peu de mal à la fin niveau temps, mais en vrai le 14e est juste à côté des coffres donc ça peut le faire. Si je perds pas trop de temps à faire n'importe quoi, ça doit le faire. Arrête de taper pour rien, s'il te plaît, par contre. Parce que l'animation de dégâts, ça prend une seconde dans le timer, donc c'est chiant. En bas. Du coup là faut que je grimpe. Voilà. Et ça qu'avec la souris vous voyez c'est vraiment la galère quoi. Parce que des fois tu sais pas pourquoi ça va activer une roulade ou une attaque alors que tu veux pas faire une attaque ou une roulade. C'est un peu la galère sur ce point. Tu sais qu'il y a des coffres aussi à récupérer. Que je pourrais faire en full random juste en passant, en faisant un niveau. En faisant un round sans prétention, sans vouloir terminer. Juste pour récupérer les coffres. Ok.
Je me prépare à changer pour le grappin d'ailleurs. Voilà. Lance-le! Putain, quel enfer. Let's go. Mais je peux passer par au-dessus en plus! Incroyable. Incroyable. Alors, il faut quand même que je fasse le tour pour activer ça. Une petite perte de temps tout de même. Mais un petit gain de temps également. Ah, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Avance. Ah, ah, ah! Je suis en train de paniquer, ça y est. Ok. Ok, la fin, c'est le plus simple. La fin, c'est le plus simple. Tu tapes ça, tu montes, tu vas taper le 14e et c'est bon. Allez, mon gars. Ok. Le coffre, il est là. Mais il me restait tellement de temps! Oh là là, il me restait tellement de temps! C'était si simple. Eh ouais, mon gars! Incroyable, tu es le premier à réussir le labyrinthe au trésor! Ton nom va être gravé sur la stèle des records! À cette occasion, je te fais un petit cadeau. Tiens, prends ce contenu de coffre. Je compte ce coffre. Ouais. Oh! Damn! Le gros rubis doré! Ah! Bon, avant d'aller voir Tetra, on va quand même aller chercher le coffre qu'il y a là-bas. Hein. Pas non plus, hein. Ah, merci Kerim pour le 8e mois. Besoin de notre enfant. Soon, hein. Boing boing, c'est toi, mais tu as déjà fini le challenge. Enfin, si tu tiens à jouer, je peux pas m'empêcher, je peux pas t'en empêcher. Peut-être quelque chose d'enterré quelque part, qui sait. Il sérieux à me dire ça, l'enfoiré, là? Peut-être un petit œuf, ok. Mets-toi en face de la porte, elle s'ouvrira, bonne chance. Oh, on paye pas en plus, let's go. Attends, on peut se balader? Oh, on peut juste se balader! Oh, quel bonheur. Donc, il y a un truc de caché, il y a un truc d'enterré quelque part. Est-ce qu'il faut sortir de l'artillerie lourde et creuser partout? Moi, ça me va, hein. Oula, pourquoi je fais des fesses quand je creuse? Comment je vais là-bas, moi? Du coup. Après, est-ce qu'il y a vraiment un truc enterré quelque part ou est-ce que c'est un giga troll? Ça m'étonnerait pas trop non plus, hein. Bah, je creuse tout alors. Plouf dans l'eau. Télégbal. Tu vois ce truc là, je sais pas comment j'y vais du coup. Bon, technique. Ah, attends. Techniquement, du coup, le seul moyen que j'ai d'y accéder, je sais pas ce que c'est. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Comment je vais là? Comment je vais là? Attends, je peux activer tous les trucs ou pas? Parce que au pire, si je peux me mettre en... Si je peux me balader de façon libre, mais vraiment libre, ben ça me va. Hein. Est-ce que ce serait pas ici en face? Genre là? Non. Ouais, c'est le seul truc qui était enterré, bon. Bon, hein. Non, je préfère ça. C'est en plus, c'est que pour des rubis en plus, bon. Est-ce que, genre, activer tous les trucs, ça donnerait pas un bonus? En mode, activer tous les interrupteurs, ça donnerait pas un truc? Activons tous les trucs. Non mais il faut qu'on vide cette île avant de partir, quoi. Hop. Mm-mm.
Mais du coup, il y a pas mal de... Ah, ok, là. D'accord. Ah! Ah! Bon, après, ça me... moi, ça me change rien, mais... Ah! Ça, ça reste intéressant tout de même. Hop là. Comme ça. Ça, j'ai trop. Écoute, donc tu passes un bon moment, c'est le plus important. Alors du coup... Du coup, qu'est-ce qui pourrait... faire qu'on accède à ce coffre du coup? Peut-être arriver sur ce lopin de terre. Mais on peut pas. Non, on peut pas. Je vais tester un truc. On peut pas. Bon bah mon test est un fail alors. Je vais justement tenter d'utiliser ça pour me projeter là. Mais ça va pas assez haut. Monte un peu le son du jeu. Alors, où est la subtilité que j'ai pas du coup? Il y a forcément un truc que j'ai pas là. Mais bon, ça trouvait, ça se trouvait. Il y a pas un œil à activer quelque part, genre. Qu'est-ce qui pourrait me manquer pour accéder à ça? Un mur pétable? Genre ça, ce mur pétable peut-être? Ou alors je ne sais point. Point. Pétable de fou. Ah, ces deux murs peut-être pétables, ouais. On va voir. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à laisser un petit mur comme ça, autre que de mettre un mur pétable. Bon du coup j'ai creusé, j'ai trouvé juste un rubis à 100 balles. J'ai pas trouvé d'autres trucs en creuser. Je vais passer par dessus. Pas sûr moi justement. Tu vois quand il y a ces trucs là, l'espèce de pic, on peut pas passer dessus. Il y en avait quasiment partout. Donc bon. Est-ce que j'ai assez de gouttes de courage, tiens? On peut aller sur l'île pour Ah oui, il faut qu'on fasse deux trucs. D'ailleurs, on va aller sur l'île du coup pour les grès, pour la larme, enfin la goutte. Et il faut qu'on retourne sur la mer où il y avait un mec qui était en cosplay Link pour lui donner la tenue de héros invisible. Ah, tu veux quitter l'île? Ouais. Très bien, larguez les amarres, tout le monde à bord. Ouais. Je crois que c'est ça. T'as un coffre. Bah je l'ai pris déjà. C'est bon. Non, il y avait un autre. Ah dommage.
Ah, et donc pour retenir du coup. Ah, là c'est trop fort, par contre. Par je retiens que. Vous savez, la dernière fois on a affronté des pirates ici. Et justement, j'avais pas pris. Ah, bah c'est bon, il est prêt, du coup. Mais du coup, quand on a affronté les pirates, ici ils avaient lâché un trésor et je l'avais pas pris justement. Si je l'avais pris ? Non, si, je crois que je l'avais pris. Non, je sais plus ce que je dis. Non, c'est bon, je l'ai pris. Là, j'étais en mode, ça se trouve, je l'avais pas pris et en fait il a despawn, mais du coup, non, je pense pas. Bon, toujours en recherche de la cabine de pierre. Ou alors des morceaux pour faire le bateau démon. Du coup, on a la coque démon. On a la proue. On a la cheminée. Ah ! Bon, bah après, vas-y. Comment tu veux éviter ça ? Ah, il faut que je retire le. Faut que je retire le curseur. C'est vrai que ça vous aide à voir comment je galère, mais bon. C'est moins beau, je trouve. Voilà. C'est pas très agréable. D'avoir un gros curseur comme ça. Il se pose si tu vas sur une île avant. Mais je sais plus si je l'avais pris la dernière fois, justement, ça le problème. C'est que je sais plus si je l'avais pris. C'est là que je bloque. C'est win. Je l'ai pas pris. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai eu avec la carte au trésor dans le dans labyrinthe. Ça, c'est celui que je viens d'avoir avec le labyrinthe. Et après, ça peut avoir détruit un gros bateau, ça dispose lorsque tu accostes une île. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Très bien. Le canon démon. Let's go. Let's go. La collection démon s'agrandit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stepper ici. Donc, faire le N inversé. Ah, faut que j'aille là d'abord. Ta. D'abord, j'ai un truc à aller chercher là-bas. Mon terre, il avait rien, donc je vais pas le faire chier. Excellent. Ah. Feu. Ils vont me lâcher un trésor, eux. On accoste le trésor, Lionel. Bah non. Ah, ce bateau, pardon. On va accoster le trésor, par contre, ça c'est sûr. Là, techniquement, je peux faire la récupération. Sauf si je suis pas vraiment là où je veux que je sois. Au revoir. Est-ce qu'il fallait que je me décale un petit peu? Au revoir. C'est le reste du cas. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va, c'est assez large en vrai. Pip, allez, pip. Et du coup, c'est. Mais en fait, cette zone, elle est trop bien. Parce qu'en en gros, dans la partie nord, t'as toujours un. T'as pratiquement tout le temps un bateau pirate qui passe. Donc en vrai, tu vas sur la mer, tu pètes le bateau, tu retournes sur une île, hop, tu reviens et respawn au fur et à mesure comme ça. Tu peux faire full farm de coffre comme ça. Il n'y a pas de poisson. Ah, détail intéressant. Soit cabine de pierre, soit truc démon. Bah c'est ouais, c'est rouge, mais ça m'étonnerait que ce soit démon. Mais ok. Bon. Thierry. Hop, on y va. Allez, à plus, Thierry. Hop là.
Oh non, on va la croiser. Vas-y, go la tabasse. Go la tabasse. Je t'ai trouvé, Lindbeck. Ça fait longtemps, mais je n'ai pas oublié. Elle te fonce dessus. C'est trop marrant comment elle te fonce dessus. Ouah, on nous aborde. Ça va, tranquille, on va la démonter. Hop. Ah mais non, mais ça marche plus. Hop. C'est bon. Waouh. Lindbeck, misérable palourde. Oh, encore toi. Tu te m'en verras, serais-tu me dire où se trouve cette larve? Je m'y attendais. Bien, je suppose que je vais devoir me couper en rondelles les uns après les autres. Et je vais commencer par toi. En garde. Trop nul la meuf. Trop nul. Trop nul. Eh, trop nul. Ah bien. Voilà, allez, dégage. Et encore. J'ai qu'une chose à dire. Je me sens pas bien aujourd'hui, tu m'entends? Je t'aurais battu sinon. Hop là, et on récupère une troisième fois son épée. Let's go. Oh, cette fille n'abandonnera jamais, quel pot de colle! Tiens, ça appartenait à un ami, mais prends, c'est pour t'en remercier, Lionel. Plus on le fait, plus il me donne des thunes, hein. Au revoir, si l'eau est moins salée. En fait, faut l'enchaîner, parce que plus on avance, plus il me donne de thunes, et à un moment, il va bien me donner autre chose. Genre POV, à un moment, on arrive, il fait « Oh, merci de m'avoir aidé encore une fois, tiens, j'ai plus d'argent à te donner, mais... » J'ai cette carte qu'un ami m'avait filée il y a quelques années. Allons chercher le trésor, et voilà. Et la tête rempire juste à côté, bien sûr. Tu vois. Et j'ai perdu. Et on va aller voir les fers en bas, c'est le truc. Je pense que non, parce que du coup, c'est la zone de mini-jeu, donc. Ah mais à chaque fois que ça m'arrive, c'est que le machin me fonce dessus. Bah, il me reste un HP par contre, on va pas faire le con. Ok. L'erreur de passer là. Ah, c'est bon. J'y vais doucement parce que bon. Là, c'est littéralement un HP à la grue et on. Si j'ose faire les dégâts, on passe de 50 rubis de réparation à 200, donc. On va essayer de pas être con. Ce qui est déjà pas mal compliqué, je vais pas vous mentir. Bon, ça me ferait chier de perdre le trésor. Enfin, de. Devoir lâcher le trésor, de. Oh, me TP dans la ville principale pour c'est bon. Pour réparer le grappin et devoir revenir ici. Oh la vache. C'est bon là, chanter naval? Si, c'est loin. Si, crois-moi, c'est loin. Parce que là, je suis actuellement ici. Il faudrait que je me TP en bas. Ensuite, il faudrait que je me re-TP sur la map d'à côté pour revenir ici, c'est chiant. Ouh. Oh. Mais je l'avais déjà, je crois. La prison démon. Je crois que je l'avais déjà. Pas sûr. Bref. Je sais plus si je l'avais déjà. Bon, vite fait de checker ça, même si bon. Je pourrais pas amarrer sur l'île de toute façon. Et cette zone, comme dit, je crois qu'elle sert que pour un mini-jeu, donc. C'est juste des pierres ou c'est une île ça? Ah, mais c'est l'île qui est de l'autre côté. Y'a rien du coup. Ok, y'a rien.
Y a rien, donc on va faire. C'est quoi déjà celui? C'est ça? Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Ah, c'est bon. Hop là! On va réparer tout ça et on va voir si on a assez pour peut-être transformer notre bateau en bateau démon. On va voir. Ça fait très doux. Bah, c'est bateau démon quoi. Mais normalement, j'ai la proue, j'ai la coque, j'ai le canon, j'ai la cheminée, j'ai la bâtisse, enfin la cabine. Il me manquerait l'ancre et les barreaux. Et les roues. Donc en fait, il me manque beaucoup. Il m'en manque beaucoup. Yo, bruh. Entre les chantiers navals ouverts à tous. Quoi, t'as le gros qui est abîmé? Je te l'ai fait pour 50 balles. Merci. Mais du coup, ouais. Alors, faut que je vérifie. Est-ce que les roues, je pourrais les avoir? Je crois pas. Hein. Ouais, j'ai les roues à vie, j'ai les roues de pierre, j'ai les roues rouges. Mais les roues rouges, c'est pas les roues démons. Peut-être. Rambarde sobre, ouais ça. C'est ça, donc en fait il me manque... Ok, le démon c'est le quatrième en partant de la fin, c'est ça? Bah je sais pas du coup puisque j'ai pas l'encre. Ouais c'est ça, ok. Donc vous voyez par exemple j'ai la coque. Bon il me manque trois trucs du coup. Donc on va rester en pierre pour l'instant. Sachant qu'en pierre j'ai tout sauf la maison. Sauf la cabine. On va rester comme ça. Ouais, sinon j'ai la tour blindée, j'ai la cabane tonneau, j'ai la prison démon. On va mettre la cabane tonneau pour l'instant. C'est un petit flot. Il faut que je récupère d'autres pièces de bateau là. Bateau a une endurance de 6 maintenant. Ouais. Ah mais il me manque encore des pièces. Ah. Bah te prive pas hein, Jester, hein. C'est un bon jeu. Hein. Te prive pas donc. Hein. Je vais prendre des bombes, tiens. Histoire de dépenser de l'argent. 50 rubis. Je vais te donner, ma bonne dame. Merci. Désolé, mais j'en ai plus en stock. On va être crevé. Ça fait quoi le tour en démon? Bah, pareil, ça fait le même. En fait, c'est le même bonus. C'est plus t'as des pièces qui sont du même style, plus ton bateau a de vie. Mais c'est juste que, bah, faut même avoir le set complet, quoi. A plus de classe, a plus de flow. Bon ça c'est bon, je repars, je vais au-dessus du coup. Je vais au-dessus. Donc. Parce que je pense que je peux interagir avec le mec dans le bateau, justement. Je pense que je peux interagir avec lui. Voilà ce petit bonhomme là. Il cherchait les habits du... Oh! Bateau pirate! Qu'est-ce qu'ils m'ont vu? Moi je sais pas s'ils vont lâcher un trésor. Là. En vrai si normalement. Est-ce qu'on verrait des petits pixels rouges sur la carte? J'ai l'impression. Si. Bah du coup c'est récent parce que avant ils en trompaient pas des coffres. Allez en vrai. Oh la petite coque en pierre là. Enfin la cabine en pierre pardon. La cabine Tony Glandil. Voilà. Est-ce que les pirates avec un drapeau pirate? Ah mais avant il y en a... Ouais mais je sais pas si c'est... Enfin j'ai l'impression que maintenant ils sont tous comme ça. Je sais pas. Au pire Osef. Au pire Osef. Allez, cabine en pierre, s'il vous plaît, cabine en pierre.
Allez, une cabine. Alors, une baraque en pierre. Vraiment, genre la maison pierre à feu. Maison pierre à feu ? Wouhou ! Trop content. Trop content. Bam, la mouette ! J'ai dit... Ah. Le mob a farm de... enfin, a farmé pour du pognon. Qui en plus se dédouble au bout d'un moment. Et regardez sur quel bateau on arrive. Ah, bien, ce bateau me dit un truc. C'est qu'on va pas très bien. On va pas très bien comme ça. Alors, vous voyez un petit peu là quand même. Quel genre de bateau c'est? Hein? Cette sensation? T'en as quand même pas ça, non? Non! N'essaie pas de le cacher, je suis un héros, tu sais. Je sens ces choses. Quelque chose qui dérange une lueur translucide. Ça ne peut être que les habits que seuls les êtres au cœur pur peuvent voir, j'ai raison. Tu ne refuserais pas de me les donner? Non, tu ne peux pas. Un objet si rare, mes fans en seraient fous. Un objet de collectionneur. Je les cherche depuis toujours. Moi, quand il y a deux choix, je sauvegarde. Donc, par exemple, si je fais pas touche. Ah bon, bah moi qui allais te donner quelque chose de fabuleux en échange. Rigole. Oh, tu es encore toi? Comment vas-tu? Tu as une séquence d'entraînement? Ah oui, donc vraiment, quand si tu dis non, cadeau. Waouh, waouh, je savais que t'étais un bon petit gars. Je veux dire merci, t'es fort aimable. Tiens, prends cela en échange. Oh! Et du coup, la longue vue, faut les donner aux mecs qui ont des longues vues. Ah, un moment. Zut, ce n'est qu'un kaléidoscope. Tant pis. Vous pouvez le regarder dans le journal des quêtes. C'est un objet auquel je te tenais beaucoup, ma petite sœur. Je l'ai emprunté. Je blague, je l'ai trouvé pendant mes aventures. Il fonctionne encore et ça pourrait te servir. C'est pour toi. Ah! Oh, la kryptonite des Espagnols, comme vous dites, bien vu. Ah, je sais bien, j'ai Storbis, mais j'ai pas besoin de thunes, je vais pas te mentir. J'ai pas besoin de thunes et pour être honnête, j'ai une autre façon de faire de la thune très simple, bien plus simple. Alors, il faut que j'aille au sud-est. Donc W. W barré. Enfin W. Avec... Wow, avec un chapeau. Pardon ? C'est bon, t'es content? Aïe, aïe, aïe. Et ils sont juste à côté en plus, les bugs. Ah, parfait ça. Oh, c'est pas un bateau pirate, on s'en branle. On a quoi ce bateau? Oui. Oh, je ne vois plus rien. Oh, oh, oh. Quel rustre fais-je? Je suis un membre du peuple. Oh, oh. Je viens du pays de Trélois en quête de trésors, enchanté. Écailles de Zora, cela se vend comme des petits pains dans mon pays. Ce trésor est en passe de devenir la nouvelle mode, j'en suis persuadé. Je suis prêt à payer 95 rubis pour une écaille. Bien sûr. Ah, je serai reconnaissant, merci, merci beaucoup. Non. C'est lui. Hop. Hein? Oh! Oh, c'est une bien belle vue que tu as là! Puis-je la voir un instant? D'accord. Oh! Mais mon nom est gravé dessus! Regarde ici en tout petit, c'est bien mon nom! Mon vrai nom! Oh! Oh! Ogre! Aug. Haugendugen! Haugendugen! Oh! Ah, je me suis mordu la langue! Ah! Quoi qu'il en soit, ce cadeau m'appartient, merci de m'avoir rapporté. Hein. Un cadeau, vas-y. Oh, n'hésite pas, hein. J'ai trouvé lors de mes pérégrinations. Le manuel de garde. Quelqu'un a perdu ce cahier. Ah, mais d'accord, mais en fait, tout se suit en fait. Il est tout sale, mais vous pouvez le consulter à l'écran de quête.
Je l'ai vu flotter au creux des vagues que j'ai récupérées. J'aimerais le rendre à son propriétaire, mais qui s'agit-il, mystère? Moi je sais. Moi je sais. C'est encore une fois, évidemment, un mec sur un bateau itinérant. Non, t'as pas le droit. J'y vais tout doucement justement pour faire le meilleur symbole. Ah mais je le prends bien, ok. Plus c'est moche, plus ça passe quoi. Hop, on va le donner à Michel. Et en plus c'est bien, je devais aller sur l'île tout en bas. C'est parfait. Pour les gouttes justement. Bam la mouette. Est-ce que ça vaut le coup de... péter ça? Ça se trouve dans l'eau ça fait une croix et genre y a un trésor. Je déconne mais imagine. Ce serait fou non? Oh flemme. Ah oui bah ça va, je regardais pas. Dégage. Bam. Voilà, et lui c'était un garde et il savait pas comment garder. Donc si je lui donne le manuel... Eh ce cahier, ce serait pas le manuel de garde que j'ai perdu? Mais si, regarde, il y a même mon nom écrit dessus. Niav. Pas de doute, c'est bien mon cahier. Lui donner le manuel de garde. Oui. Ouais. Mon chef va enfin arrêter de me manguélander. Merci beaucoup. Tiens, prends, c'est tout ce que je peux te donner. Qui voulait manger un marron? C'est un goron, je crois. Il y a un goron qui voulait manger un marron. Ces marrons sont un peu secs et un peu vieux, mais ils sont délicieux. Ouais, c'est ça. Le marron, le compagnon idéal des longs voyages de mer. Oui, c'est ça, c'est un goron. Donc, ok. Petite escale sur l'île pour les gouttes. Et ensuite, on va chez les gorons. Il me semble qu'il y a un goron qui voulait tester justement un truc marron. Donc un marron, vraiment. Ok. Comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne les gouttes de courage. Enfin, les gouttes de sagesse. Parce que le courage c'est ce qui a donné justement le l'onde de choc. Il est complètement pété. Merci Loulixia pour le 21ème mois. Eh bien. Je me dis, un peu en avance, puis il y a des meubles. Hein. Et pour le tier 3, évidemment, merci beaucoup Loulixia. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Comment ça va ici? Eh bah ben, ça va ici, écoute. Hein. Évidemment. Hein. La fontaine est remplie d'une lumière mystérieuse. Quel goût d'esprit veux-tu représenter? Sagesse. Voir ce que ça donne comme bonus. Voici le nombre de gouttes que c'est ce que tu as trouvé. 11. Viens, esprit de la sagesse, à l'aide des gouttes d'esprit que ce garçon a rassemblées, et cherche en toi et redécouvre l'étendue de tes pouvoirs. Yes! La sagesse vous protège et améliore la protection que vous procure le bouclier. Ah, c'est intéressant ça. Que les esprits te protègent sur ta route périlleuse. Ah bah ouais, la sagesse, la protection bien sûr. Bah oui. Donc ça améliore ton bouclier en gros. J'ai envie de tester. Le problème c'est que je peux pas voir du coup. Le problème c'est que je peux pas voir plus que ça. Je peux pas voir plus que ça, c'est un peu le problème. Bon au pire on va le laisser, on verra. Est-ce qu'on trouvera un moment où... qu'on trouvera un moment où on arrivera à voir ce que ça fait.
Ma vie. Ah, ma vie a augmenté. J'ai pas fait gaffe. Du coup, on a dit qu'il fallait qu'on aille sur l'île Goron. Et l'île Goron, c'est en bas. Et l'icône d'en bas, c'est le W. C'est ce fameux. Il m'en manque des grenouilles hein. Ici il m'en manque une du coup. C'est quoi, on va faire ça. Comme ça si on voit la grenouille. Hop. Hop là. Voilà. Vu qu'il manque une grenouille en or ici. Il est mis en vue. Ah. On va accélérer, c'est quelque chose, hein. Merde. Mais ouais, mais je vois pas la grenouille, en fait, moi, depuis tout à l'heure. Je suis con, moi, si je cherche... De base, faut que je cherche la grenouille, en fait. Bon, si je m'amuse à mettre ma caméra derrière pour taper des trucs, je vais pas les trouver, hein. Oh, la version hardcore, on a accéléré, quoi. Encore ? Oh, ça m'emmerdait, là. Merci à Romé pour le 7ème mois de... C'est beaucoup. Arrête! Mais j'en peux plus par contre des yeux là. Après, la logique voudrait que s'il y a une autre grenouille, elle soit dans la zone tout à. Enfin, qu'elle soit dans la zone tout à gauche en fait. Hein. Ah, il y a encore la chieuse. Ouais, la chieuse! Hé! Hey mais non, mais viens! Non mais moi je veux qu'on se tape. Aïe, pas le temps. Elle me fout un vent légendaire. Bon bah bonne journée alors. Allons voir sur l'île DS si le mini-jeu il est bon. Ah ok. Ah bah esquivé genre. Ah bah elle voulait pas. Hein? Y'a un caillou là. Hein. T'as vu. Oh merde. Bon. Allez. Bah, on va voir si l'île DS du coup ça s'est débloqué ou si. Elle est toujours pas le mini-jeu du bonhomme. Ah oui, en effet, ma vie a. Attends, y'a une région de vie? Nous allons bientôt ouvrir un mini-jeu spécial. Ah non, pas encore. Bon bah on va partir. Ok. C'est bizarre cette île. Ouais, c'est vrai. Même techniquement, ouais, je dirais... En vrai, même la logique voudrait qu'elle soit là, la grenouille en or. Genre là, comme ça, par là. Est-ce qu'elle va me voir cette fois? Elle est là. Elle est là. Elle est littéralement juste là. Elle est littéralement juste là. Bon. Bah voilà. Très bien. Bon, je vais dire mon pote. Le parent nous a fait passer le mot. Tu veux savoir que votre tracé sur l'ardoise des tornades pour appliquer ici? Ce sera ça de suite, mal bien. Oh là. Ok. Ah attends, ça va être dur à... En vrai, c'est notre jeu que ça va être dur à faire. Hein. Hop là, un petit Oméga directement. Let's go.
J'espère que t'as compris des notes. T'as tout pigé, mon pote. Oui. Alors je m'arrache. Si tu veux voir ma si tu veux être franchi, passe le quoi de ma part. D'accord. Bon bah voilà, très bien. Du coup, c'est chiant d'aller sur l'île Goron, du coup. Oh, nickel. En fait, il y en a deux par map. Donc il m'en manque peut-être encore une, du coup, sur l'île tout en haut. Sur l'île en haut, en haut à droite. J'ai même pas le droit à mes pièces. Ok. Ah, c'est bien les voyages dans la mer, mais au bout d'un moment ça devient long quoi. Quand tu l'as eu plusieurs fois, c'est vrai que ça devient long. Merci l'émulateur de me permettre d'accélérer le temps quoi. Oh. Dans mes veines hein. Alors, t'as une laisse, Nuala Goron, tu vas nous manquer ? Oui. Bip, boup, boup. Bip, bip, boup, boup. Non, c'est dans quelle maison? Je suis désolé de t'apprendre que tu nous quittes, le Goron. Tu as à peine de t'habituer à l'île, mais ne nous oublie jamais. Bah, on n'oublie pas d'où on vient, hein. Ah, pour de vrai, le Goron revient aux autres, hein. Bon, c'est pas lui. Elles sont de ouf. Le plus simple, mais le plus efficace. Yo, bro. Hein? Je vais manger plein de marrons et je serai devenu grand quand tu reviendras. Il est déjà grand en fait. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ou alors c'est pas lui. Ou alors c'est pas lui, mais bah attends, on va faire les autres d'abord. Faisons les autres groupes d'abord. Tu pars, on va pas se mentir, quoi ? On va pas se sentir bien seul, ouais. Ce que je trouve bizarre, c'est que le dialogue soit... Parce que c'est un dialogue d'enfance qu'il a dit, tu vois. En mode, je vais manger des marrons et je serai très grand quand tu reviendras. Et c'est déjà un grand Goron. C'est bizarre. Alors c'est vrai, tu quittes notre île, eh bien ouais. Excusez, je regarde hein, parce que bon. Ah, d'accord, ok. Ok, non, j'ai. Ok. C'est pas chez les Gorons. C'est pas chez les Gorons, mais c'est bizarre parce que littéralement. En plus, le mec nous l'a décrit en mode, c'est un vieux marron sec, donc un truc qui est dur. Et on a un Goron qui mange des marrons. Donc dans la logique, tu penses à ça en fait. Je sais pas. Moi, ça me semble logique d'aller voir le Goron qui mange des marrons et de lui filer un marron.
Bon. Bon bah du coup faut que j'aille là. Non. Du coup c'est pas au Goron. Pas au Goron, faut aller. C'est ici. Ah ouais, ça se trouve, j'ai pas encore assez avancé dans l'histoire pour que pour pouvoir lui donner. Hein. Bah dans la logique, oui, c'est pas ça. Ouais. Dans la logique, c'est vraiment pas ça. Mais bon. La logique, voilà. Hein. Ah, du coup. Oh. Et donc là attends. Donc là ça va se régénérer ou pas? Ou c'est juste que je prends moins de dégâts? Je crois que c'est parce que je prends moins de dégâts. Les sirènes sont des créatures craintives et insaisissables. Elles n'apparaîtront pas si un monstre se trouve à proximité. Si tu en vois une, ton cœur s'envolerait loin, comme un rêve merveilleux. Elles n'apparaîtront pas tant qu'il y aura des monstres à proximité. Mais du coup. La question c'est est-ce qu'elle va apparaître sur cette île? Alors c'est est-ce que si je bute tous les monstres qui sont ici, elle va apparaître? Ah t'abuses. C'est vrai que c'est une zone remplie de monstres sans réelle raison. Donc peut-être que... Un. Ah en effet. Il y a une sirène. Frère, il y a une sirène. Et frère, il y a une sirène. Merde. Et la sirène. Elle est où? Pas arrêter de s'enfuir. Une flèche dans la gueule, tu vas voir qu'elle va arrêter de s'enfuir. Et what? Et ouais, s'enfuit de moi. Je vais attraper la gueule, moi, tu vas voir. Elle est où? On va attraper la gueule, hein, tranquille. Hein. Elle est là. Merde. Oui, bon sang. La question c'est comment je l'approche. Parce que dès que je... Alors je vais me considérer comme un monstre, c'est ça? Ah peut-être qu'on peut l'avoir seulement avec le marteau genre. Et ouais comme tu dis ouais peut-être l'assommer. Peut-être qu'on peut faire qu'avec le marteau. C'est un peu bizarre, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ouais, vas-y, en vrai. Ouais, qu'est-ce que je pourrais. Ah, mais boomerang en fait, tout simplement. Non, boomerang. Ah, ouais, tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Aïe. Attends. Aïe, mais pourquoi? Mais j'aime me déguiser en créature fantasmagorique alors. Mais je suis quand même humaine, c'est pas un monstre sur lequel frapper. Ne reste pas planté là avec tes jeux de merde à l'enfrir. Présente-moi des excuses. J'attends, ouais. J'attends.
Enfin, tant que tu comprends que je suis humaine, moi aussi, hein. J'aime me prélasser dans l'eau déguisée en sirène, mais je reste moi. Joli costume, hein, je l'ai fait moi-même. Pardon ? Je veux dire que ce vieil aventurier pense que je suis une vraie sirène. Eh ben, c'est pas mon problème. Enfin, peut-être, pour être tout à fait honnête, j'ai toujours aimé les récits d'aventure et de voyages sur mer. J'adorais écouter ces histoires. Je vais aller me rendre une visite à cet aventurier. J'espère qu'il a de belles grosses histoires à me conter, là. Ouais, merci pour l'information, ouais. Eh ben, bonne grosse aventure, là. Ah, je vais même t'attendre une sirène ? Oui. Comment ? Tu prétends que la sirène aime écouter les histoires d'aventuriers ? Et qu'elle a dit qu'elle viendrait me voir un jour ? Oh ! Comment oser croire un conte si fabuleux ? Comment oses-tu jouer avec le cœur fragile d'un vieil romantique ? J'ai attendu, mais aucune sirène n'est venue. À moins que... elle a dû rencontrer un autre aventurier qui avait des histoires à lui conter. T'as entendu... Attends, qui c'est qui parle, là ? Eh, t'as entendu, Lionel ? Un autre aventurier ! Je pense qu'il parle de cet homme près du bateau ! Il y en a plein, des bateaux. Mais quel bateau ? Quel bateau ? Allô ? Ah, mais Lindbeck ! Tout simplement. Lionel, écoute, tu vas pas en venir. Tout à l'heure, une fille est venue me voir et a commencé à me parler. Elle était super bronzée, très vivace. Comme je te le dis. Mais j'ai l'impression qu'elle m'a confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai à peine eu le temps de dire salut beauté qu'elle a disparu. Ah là là, la vie d'un aventureux capitaine n'est pas toujours facile. Ça va, excusez-moi les mecs qui ont bac plus 8 en Zelda, c'est bon. C'est bon. Ah ! Ah, jeune homme ! J'ai enfin rencontré ma sirène ! Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais osé espérer pareil événement. Je sais qu'il y a quelque chose... Accepte ce cadeau. Oh ! J'adore la pêche ! Cette canne à pêche m'a rendu bien des services au cours de mes aventures. Il est difficile de m'en séparer, mais tu l'as bien mérité pour là. Jeune homme, j'ai un défi à te proposer. Pêche des poissons aussi gros que ceux que j'ai pêchés en haute mer. Quand tu es en mer, guette les ombres de poissons. Va là où il y a des poissons, et une fois juste au-dessus, tu touches pêcher dans le menu, en fait. Et c'est à ce moment-là que commence l'aventure, la vraie. Incroyable. Ah, oh, putain. On va pouvoir pêcher. Oh, c'est toi. J'ai trouvé un adorable aventurier grâce à toi, ouais. Ah, il est formidable. Ah, il parle sans cesse d'aventure, de romantisme et de la mer, ouais. Je vais me faire passer pour une vraie sirène pendant quelques temps, ouais. Mais garde ça pour toi. D'accord, mais j'ai un truc à te donner aussi. Ah, t'as l'air de transporter quelque chose d'important. C'est quoi ? Allez, tu peux me montrer. Hein. Montrer la lettre, oui. Ah, mais c'est une lettre de Jolène, mais c'est ma sœur aînée. Hein. Oh, t'es venu jusqu'ici spécialement pour me la donner. Hein. T'es trop mignon, en vrai. Ah, je peux pas attendre, voyons ce qu'il y a de dire. Hein. Hein ? Jolène ne changera jamais. Hein. Elle est toujours à fond dans la piraterie. Je suis contente qu'elle aille bien. Mais assez parlé de ma sœur et de son obsession pour les tenues de pirate. Merci. Mais je comprends, la voix est partie en couille de fou. Je vais te donner un petit quelque chose pour te remercier, ouais. Tiens, prends ça, ouais. C'est la voix est tellement partie en couille. Ah, une goutte de sagesse, c'est bon ? Ok. Ok, blé. Ah, mais si, n'hésite pas, j'en ai pas besoin en fait, ouais. Ah, vas-y, prends, ouais. Et du coup, j'ai ça. Ah, Jolène, je me demande si elle a enfin attrapé Spino. Ah, ne saisis pas. Si elle ne saisit pas sa chance, elle va rester vieille fille, ouais. Hein. Ah, ok. Bon, salut, du coup. Soyez la carte quand tu fends les vagues, hein. Des nombres de poissons apparaissent soudain et à la magie de la mer. Une fois juste au-dessus, touche pêcher, hein. T'as fait des belles prises, viens me les montrer, hein. Ouais. Salut, Philost. Mais du coup, le marron. Il est où ? Bon. Ah, quelle belle journée pour se prélasser. Mais il est où ? Comment ça va, hein ? Ah, je suis la plus heureuse des sirènes, ouais.
Ah, quelle belle journée pour ce prêt-là. Ah, ouais, bon, ta gueule. Attends, mais c'est pas elle que je dois donner? Il est où le... What is the vieil aventurier? Alors, on embarque? Attends. Ah bon, gamin? Bon bah vas-y hein. Non, on va aller pêcher un peu. On va aller pêcher un peu, j'ai envie de tester la pêche. On embarque ouais. Ouais. Donc on peut voir des ombres de poissons maintenant dans l'eau. Oh! Oh Bazette! Wouah! Par contre il bouge le machin. Trop bien! Le gameplay n'est jamais fini. Oh, le gameplay n'est jamais fini. Une pêche n'est jamais finie. Et la Attends, mais qu'est-ce qu'il mange ce putain de poisson là? Ah, c'est celle-ci, il faut les 450 bits. Je suis pas encore vraiment au-dessus, pas encore, pas vraiment. Encore un petit peu, encore un peu. Go! Je vais faire quoi? Je vais te lancer dans la pêche, Lionel, alors c'est parti! Je vais t'enseigner l'art de la pêche. Fais glisser le stylet vers le bas de l'écran pour tirer la canne. Pour enrouler, trace des petits cercles avec le stylet. Quand un poisson mort, tire sur la canne pour la ferrer. C'est dans le timing! Eh, t'en as fait rien! L'important, c'est de savoir quand tirer sur la canne et quand enrouler la ligne. Quand tu ne fais rien, la jauge de résistance en haut va se vider dans un clin d'œil. Garde le curseur en haut de la jauge en faisant glisser vers le pied vers le bas, ouais. La direction opposée du poisson, ouais. Quand le curseur de la jauge est en haut, enroule la ligne. D'accord. Pour cela, trace des cercles sur le stylet, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est tout simple, en vrai. Ouais. Poisson va sauter, fais attention! Quand il saute, lève le stylet de l'écran pour donner du mou! Si tu oublies, tu vas redevenir bredouille! Ouais, pas très gros. Ça va. Wow! J'ai failli péter. Ça a failli péter. Yes! Ah, un bonita! Let's go! C'est lui qui a dit. Ah, ce jeu est fou. Hein. Un poisson commun mais délicieux. Vous pouvez le voir sur l'écran de quête. Let's go. Nice. Oh, il y en a un autre! Et il vient vers moi en plus. Domaine. Il fait exactement le même pattern que le poisson que je viens de prendre. Mais... Oh, des pirates! D'abord on pêche. Hop. Allez mon grand, vas-y. T'as pas honte qu'il a lancé Link? The fuck? On fait... Merde, c'est bon. En vrai, la souris c'est plus simple quand même. À part pour les ronds. Parce qu'avec une souris, tu peux pas faire de ronds vraiment.
Yes! Mais il est minuscule. 52 cm. Enfin, après, c'est pas la taille qui compte, mais. Enfin, pour un poisson, si, en vrai. Bah, go, venez, les gars. Non, venez! Je démarre. Si, il y a d'autres poissons, vas-y. Aucun déçu. Hop là! En fait, sur cette map, ça spawn que au même endroit, du coup, c'est marrant. Ça spawn que au même endroit, donc en fait, tu restes sur la zone et tu peux les farmer. Allez, mon grand! Allez, tu donnes tout! Allez! Allez, tu lui mets sa mère à ce poisson là. Oh, pas mal, pas mal, il a l'air d'être gros celui-là. Voilà, on sécurise, on sécurise, on sécurise. 62 cm, bah sinon c'est pareil. Fait chier. Et du coup, si je reste là, ça respawn. Ouais, non, faut que je bouge du coup. Faut quand même que je bouge sinon ça respawn pas. Ah non, il a bougé, let's go. Ah, baston. Baston, ah oui, il y a encore plus. Aucune peur, aucune peur. Il va falloir qu'on avance dans l'histoire aussi à un moment. Ça fait plus d'une heure qu'on fait, tout, mais tout et n'importe quoi. Il va falloir qu'on avance dans l'histoire au bout d'un moment. Non, c'est pas ce que je veux. Allez, la cabine en pierre, bordel. On veut que le bateau il ait 7 de vie. Bon, du coup, après, faudra qu'on aille sur l'île des morts, du coup, je crois. Faudra qu'on aille sur l'île des morts pour avancer et récupérer le dernier minerai. Et récupérer le marteau hein, aussi serait pratique. Il y a quelques trucs que je peux pas faire sans le marteau. Mais à chaque fois, les seuls moments où je prends des dégâts dans ces trucs là, c'est quand le machin il me fonce dessus. Et de ces mours. Ces gros mours. Hop, allez, c'est récupéré. Allez, on y va sans hésitation. Bon, finalement, il n'y a peut-être pas que le poisson. Peut-être aussi ma connerie. Mais tranquille, c'est 50 rubis pour réparer. C'est quoi 50 rubis? Allez, c'est gâteau. C'est gâteau. C'est gratos. Il n'y a pas d'histoire dans le jeu. Si, si, mais bon. Il y a aussi beaucoup de choses à faire sur les côtés et j'aime trop faire les trucs sur les côtés. C'est mon problème. C'est que je me perds très vite. Enfin, c'est pas dans mon mauvais sens. Bah comme le bateau, hein, touriste. Comme le bateau, touriste. Tiens, vas-y, go. Jusqu'à là, genre. Voir si on la croise. Puis on pourrait lui dire qu'on a donné la lettre à sa sœur. Oh, bah, on lui fonce dedans direct. Ah. Et là, elle nous fonce dessus. Miaou. Aïe, mais c'est pas nécessaire ça. On nous aborde. Ouais, c'est ça, la torpille. Hein. Allez, viens. Ah. Lindbeck, misérable balourde. Ah, encore toi. Petit homme en vert, sur la tue se trouve cette larve. Là, je m'y attendais. Je dis cette phrase à chaque fois que je viens. Dommage que son dialogue change pas trop, quoi.
Tu veux taper, t'es sûr? Trop nul la meuf. Trop nul. Pas folle, hein, la Jolène, hein. Pas folle, hein. Et encore, j'ai qu'une chose à te dire. Je suppose que t'es fier de toi, fier. Allez, casse-toi, ouais. Ah, j'ai vu, Angelo, j'ai vu. Bonsoir, elle commence à me taper sur le système. Hey, Lionel, j'ai un cadeau pour toi. Wouh, 200 boules. Let's go. Allez, on part, Lionel. Allons voir ailleurs si l'eau est moins salée. Allez. Ok. Bon. Est-ce que Michel, il vend des trucs maintenant ou pas? Parce que mon Terry, il commence un peu à me gaver, hein. On va croiser le chemin en plus, enfin le poisson en chemin en plus. Parce qu'il a un programme de fidélité machin, mais il a pas d'article. Regardez un peu ce trajet parfait, le poisson il est littéralement là quoi. Et moi je veux ce qu'il y a après le rubis d'or justement. C'est pour ça que je fais ces trucs là. Oh, il est loin. Oula. Oh, il est différent lui. C'est pas le même poisson que tout à l'heure. Il a l'air gras. Il a l'air plein de bonnes choses. On dirait un petit thon. Ou un petit requin. À rien d'être con. Wow. Ah, il est beau. Un tonneau! Bah, c'est un thon, ouais. Un thon rouge. Il fait 0,88 mètres. C'est un beau spécimen. Let's go, bruh. Il est où ce con d'ailleurs là? Parce que moi, là, j'ai récupéré un beau poisson, mais il faut que je lui montre. Avant d'aller sur l'île des morts. C'est un tonneau! Allez, Terry, fais-moi rêver, s'il te plaît. Allez Terry, t'as eu ton nouveau stock. Bello tonneau, bien sûr. Bien sûr. Bon, vas-y, on va aller sur l'île des morts parce que j'ai envie d'avancer l'histoire quand même. Hop. Le symbole là-haut, c'était... Le W c'est en bas. Omega c'est pas ça. J'ai plus. Ah oui c'est ça. Tu. Ok. Plutôt logique hein. Je sais Lucas mais je peux aussi m'en rappeler de tête non? Non, j'ai pas le droit de me rappeler de tête. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Par contre, y'avait qu'une seule île secrète ici? Bon, je sais pas, on verra. Hein. Allez, c'est parti. Direction l'île de ses morts. Ah oui, tu veux dire, on peut regarder la... Ah, ok, ça, je savais pas. Est-ce que du coup ça va être une aide avec les... comment ça s'appelle? Les scribbers, je sais pas quoi. Donc ça explique pourquoi Terry ne révèle pas son stock. Parce que j'avance pas dans l'histoire.
Ou alors parce que sur DS, du coup, ça ne s'actualise pas. Ah, sur l'émulateur, ça ne s'actualise pas comme la DS. Un des deux. Ah, ouais, c'est ça. En fait, faudrait que je fasse des save. Donc, Donc, en gros, là, ce que tu me dis, c'est que... Tu me dis, là, je pète ces bateaux-là, je récupère le coffre, je sauvegarde, je quitte le jeu, je relance, quoi. Non, les Esquimaux, c'était pas, c'est pas ici, je sors de ça. Rien à voir. Ça raconte que des balivernes. Allez, zou. D'accord. Ce qui explique pourquoi depuis plusieurs streams, il a rien à me, il a rien à me donner. Donc si on met un sac à merde, on peut changer le jour à chaque fois et avoir du stock tout le temps. Et utiliser nos 8000 rubis. On va pas faire ça, non. On va quand même pas faire ça. Oh, je l'ai évité, let's go. On va quand même pas faire ça, quoi. Ah, je dois rattraper quelques jours, quoi. Je dois rattraper quelques jours, quand même. Non, on fera pas ça. Je sais pas. Non, on fera pas ça, mon chat. Oh, elle est posée, elle veut pas me parler. Hein. Ouais, ouais, ça passe, let's go, let's go, let's go. Très bien. Personne ne fait ça, personne. Personne ne fait ça. Donnez-moi un nom d'un mec qui fait ça. Non. Bah non, personne ne fait ça. Salut Fantu. Ah mais ça expliquerait, ça expliquerait plus certaines choses. Ouais. En vrai, il y a encore Jolène là. Dommage. C'est la maison qu'il me faut. Les os, on aurait pu aller sur l'île des morts, je sais, on aurait pu y aller, mais du coup, maintenant, cette histoire avec Terry me donne envie d'y aller. En vrai, Jolene, elle veut pas se battre. Comme ça, j'avance avec l'autre con de Lindbeck, là, qui me donne des trucs. Mais pas maintenant, Ventru. Pas maintenant. Faut d'abord que j'y aille. Ah, je peux pas sauter, ouais, vu que je suis. Ok. On nous aborde! Oui, ah, oh, petite vermine, tu ne sais pas où il est caché? Oh, tu sais pas. Encore toi, petit homme en vert. Saurais-tu me dire non, tu ne sais pas, je vais te taper? Trop nul, hein. Trop nul la meuf. Trop nul. C'est un pirate, ça. Allez, ça dégage. Allez, va-t'en. Toi, on ne frappe pas les filles. On t'a jamais appris ça? C'est toi qui a commencé. Et c'est moi, elle a pris quelques boutons sur le nez. Hein, comment je fais pour avoir le temps de voir des trucs pareils? Bah, j'étais dans une cage, je m'ennuyais. Un peu de compréhension, d'accord? Enfin, mettons les voiles, il y aura peut-être. Moi dégoûté, c'est mal me connaître. Oh non, pas le requin! Il va me buter. C'est bon. Il va y avoir un mob simple qui me donne des cœurs, parce que là, mon bateau il est un peu en train de cramer. Wouh!
Terry, t'es encore loin ou pas, Terry? Terry! Tellement. C'est bon. Quelle maîtrise! Non, non, non. Putain, mais. C'est trop te demander de pas faire de conneries? Hein, c'est trop te demander? C'est trop te demander? Hop, menu, sauvegarde. Oui. Sauvegarde, terminé. Je vais quand même faire une save state au cas où. Mais du coup, là, je fais. Reset. Et on y va. Oh bah yonk, c'est vrai que ma sauvegarde est bien mieux comme ça. Quoi? Je me fais arnaquer comme ça? Mon bateau est réparé, au moins. Putain, mais en plus il est giga loin Terry, bordel. On peut pas rester, on peut pas se regarder à côté de Terry et le farmer. Ça dégoûte un petit peu, ça dégoûte un petit peu. Attends, on va faire ça. C'est quoi, on va faire ça. Et là, en vrai, Terry, tu montes. Terry, tu montes. Terry. Donc là, on voilà. Hop. Ça, je peux repartir direct. Ah! Attends. Livraison spéciale, postier volant identifiant d'approche. Tire. Ça vient de Salvatore. Je lis. Salutations, Lionel. On t'attendait certainement à une lettre du maître des mini-jeux, c'est-à-dire moi. Je n'ai aucune objection à ton retour sur mon île, bien sûr. Je ne vois pas ce qu'il y aurait mieux à faire que de jouer à des mini-jeux. Je t'attendrai, je n'ai aucune raison d'aller ailleurs. Je serai là le menton dans la main, tu comprends. Dis-moi le plus. C'est qui Salvatore? Ah si. Je sais qui c'est Salvatore. Et c'est fini. T'as tout pillé, alors je décolle. Oui. C'est qui Salvatore? Le maître des mini-jeux Salvatore. Mec avec le mini-jeu des bateaux. Ah lui? Ah. Moi j'ai pas envie. J'ai pas envie de le voir lui. On est pas trop loin de Terry en vrai, ça va. Et là mon petit gars. Pourquoi tu fais le tour comme ça? Et là, mon petit gars, tu me vends des trucs de fou. Non. Oh! 21 points! C'est pas besoin. Pas besoin non. Putain, les deux, je les ai déjà. Ça dégoûte. 790 rubis et on le revend 800, mais ça dégoûte. C'est nul! C'est trop nul! Ça dégoûte. Goutte. Je peux pas sauvegarder chez lui. Quel enfer. Je vais faire 10 rubis de bénéf, quoi. Sauvegarde. Ouais. Émulation settings. Non, c'est pas émulation settings. C'est firmware settings. Non. Faut vraiment que je change. Ah mais faut que je change l'heure sur mon ordi en fait. Oh quel enfer. Bon bah allons-y hein. Ah ça me plaît pas hein, mais bon hein, c'est pour c'est comme ça hein. C'est pour le plaisir hein. Oui par bon bah ouais, que voulez-vous. Il s'en passe des choses à Toulouse hein. Comment ça le tricheur? Mais quoi? Comment ça? Moi je fais que relancer le jeu. Hein. Je fais que relancer le jeu moi.
C'est pour le bug avec le masque. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je fais que relancer le jeu. Le jeu bug, j'y peux rien, moi, les gars. Oh, oh. Le jeu bug, je suis obligé de relancer. J'y peux rien, moi. D'accord, ce bateau, oui. Il va forcément me vendre deux pièces de bateau et un truc rare en fait. La cabine en pierre, s'il te plaît. Je les ai pas en vrai, donc ça peut se prendre. J'ai pas les rambardes d'acier, donc ça se prend. Oh, les rambardes en bois! 6300! Ah! Terry, j'ai un coupon. J'ai un coupon. C'était sur NCFC quand même. J'ai un coupon. Oh, un coupon, tu veux l'utiliser? Oui. C'est parti. Rien à foutre. Hop. Voilà. 6300. Bam. Pow. Dans ta gueule, les 6300. Ah mais utiliser le coupon ça donne pas de points. Ça donne pas de points utiliser le coupon. Oh, un coupon. Non. Eh, hey, tu sais quoi mon petit gars? Eh, hey, mon petit Terry. Allez hop là. C'est moi qui régale. Donc là normalement j'ai un client d'or là. Mais là normalement j'ai 63 points en plus. 85 points. Comment arnaquer le truc. Et maintenant, client d'or. Ça veut dire une remise de 20... Oh, wow, wow, wow. En vrai, c'était un bon choix, je pense. Tu vas recevoir ton cadeau d'emploi... Ok. Essaye de devenir un client de platine. Devenir un client de platine. Mais d'abord... On descend. Terry, pardon, tu... Merci. 6300 pour des rambardes en bois. Ah, le maître de l'arnaque, c'est lui. C'est Terry, bien sûr. Et non, mais go. Il est là, c'est Terry, le maître de l'arnaque. En vrai, Terry, descend, non? Comme ça, on se récupère ici. Oh merde, hein. C'est bon. Terry, s'il te plaît, tu peux descendre. S'il te plaît, mon Terry! S'il te plaît, mon Terry! Il faut continuer l'histoire, je suis désolé, il faut continuer l'histoire. Je sais, mais là c'est trop bien! On a trouvé comment faire du farm infini dans un jeu, j'aime trop, c'est comme ça. Ah! Livraison spéciale, postier volant identifié, on a approche! Yeah. Une lettre de Terry. Joli. Attends, attestation de client d'or. Merci de ta fidélité. Salut, c'est encore moi, Terry. Ton dernier achat t'a fait atteindre 5 ans. Oh bah, oui, tu m'étonnes. Tu as ainsi atteint le niveau de client d'or. Tu trouveras ici le bon de félicitations. Il est valable dans toutes les boutiques. Ça quoi? Tu donnes un bon de félicitations. À utiliser chez Terry, mais pourquoi? Comme ça, Terry te dit. Bravo! Super! Merci à Yahoo! Merci beaucoup pour le 9e bois de sub. Merci beaucoup. Ah, t'as tout pillé, alors je décolle. Non, et puis en même temps, vu que j'ai. Eh, on aura pas. Ça vous dit pas qu'on se fasse un petit peu de rubis, le chat? Allez, un petit peu de rubis. Ça va le faire. Bonjour. Oui, je suis une princesse de trésor. Babiole, bijoux, j'adore. Ok. Trésor. Je sais comment ça fait plaisir. Mais qu'est-ce donc? Un régal pour les yeux, j'en ai 800 rubis. Bon, bon. Mais qu'est-ce donc? Oh, c'est de babiole, 50 rubis. Ouais. Ça, du coup. Mais qu'est-ce donc? Un régal pour les yeux, j'en ai 800. Hop là. Il m'en reste plus qu'un seul. Il m'en reste plus qu'un seul, finalement. Mais qu'est-ce donc? Oh, c'est de babiole, 50 rubis. Non.
Ah, des pièces de bateau, j'en ai plusieurs en double. Par exemple, la proue sirène. Mais qu'est-ce donc ? Un régal pour les yeux, genre de 800. Let's go, mon pote. Une proue démon. Oh ouais. Mais qu'est-ce donc ? Un régal pour... Allez, hop là. Ah, une proue... Eh, la proue touriste. Oh ouais. Ouais, m'étonne pas. M'étonne pas, c'est de la merde. Eh, hey, un canon ancien. Petit canon ancien. Ah, regarde pour les yeux. Allez. Ça veut dire que c'est une babiole. Ça veut dire que c'est, une... c'est sûr que ça veut dire que c'est une babiole, c'est sûr. Ah, j'avais déjà un rambarde d'acier, merde. Qu'est-ce donc ? Oh, c'est une babiole, 5 contre 8. Non. Non, mais la rambarde en bois, c'est sûr que ça va être 5 contre 8. C'est sûr que c'est de la merde. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce donc ? Oh, c'est de babiole, oh, 5 contre 8. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Et je serais prêt à l'acheter 1500. Mais je l'ai payé, après je l'ai payé 6300, donc va te faire foutre, mais cordialement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, les roues à vis, j'en ai plein. Dis-moi que c'est 800 la roue à vis. Mal au cul, hein. Bon, ça va en vrai. Allez, on a 6000. Ça va le faire. En espérant que Terry me repose. Bon, après, il y a 20% de réduc. Donc, s'il y a un truc à 6000, techniquement, ça sera. Bah, ce sera à 4008. J'espère. Ah, encore ? Des raisons spéciales possibles identifiées. On approche. Ok. Sachant quand tu recharges le jeu. Non, je crois que c'est définitif. Une missive d'Aru du peuple Skimo. Ah, voilà le scoop. Du coup, quand tu changes de temps, t'as même des lettres, du coup. Lionel, c'est moi, Haru du peuple Skimo. C'est vraiment cool ce que tu as fait pour moi l'autre jour. Tu m'as sauvé la vie, merci, sauvé la vie. Je t'envoie un petit cadeau pour remerciement. Bah, ça va être... C'est une larme. Waouh. Waouh, c'est innovateur. Et c'est fini, t'as tout pigé alors je décolle. Oui. Hop, alors, du coup save. Alors je vais essayer un bail. Si je peux faire ça en vrai ça m'arrange. Mais bon, on va voir si ça marche. Hop, 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 hop. On reset. Et oui, ils sont différents d'une partie à l'autre. Ah. Pourquoi il y a... Pourquoi ça bug ça ? Pourquoi ça bug ça ? Ah ! Encore ! Encore ! C'est petit Goron de la tribu des Gorons qui t'est écrit. Hein, et ouvre tes oreilles. Blablabla, blablabla, bla, voici une goutte. Merde. J'ai pas lu. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Je reset. Je crois que j'ai cassé mon émulateur en fait. Attends, je vais relancer l'émulateur. Hop. Y'a plus rien qui marche. Allô ? Ça marche plus. Bon, je redémarre l'émulateur. Hop. Du coup, il y a l'espèce de bug visuel là, c'est un peu bizarre. Ah, c'était le mini-jeu. Ah. D'accord. Ah, mais de toute façon, l'émulateur était bugué, fallait que je le relance. Hop. Ah, pardon, fallait que j'enlève ma DS, pardon. Je voulais dire, fallait que j'enlève ma DS. Bon allez, après promis, on va aller faire l'histoire. Hein. Mais bon, si je peux dépouiller Lionel, enfin pas Lionel, qu'est-ce que je dis moi, Terry et avoir des trucs, pas me priver. Hein. Invasion spéciale. Ces petits gorons. Ah
Ah ouais, pas mal. J'ai trouvé un boulot à mi-temps sur une petite île au sud-ouest. Au sud-est. Ok, c'est ça. Ouais. Petite goutte de courage là. Allez. Non mais c'est en fait c'est le nom de ma déesse Emu. Je l'ai appelée Emu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun son truc hein. Allez Terry. Allez Terry, fais-moi rêver. Fais-moi rêver Terry. Oh il est juste à côté, mais Terry, mais quel roi Terry. On accoste ce bateau, oui. Alors du coup est-ce que revenir un jour en arrière ça marche aussi? Ça marche aussi, ok. Un coupon tu veux l'utiliser? Non. Oh c'est pas grave. Oh un bon de félicitations tu l'utilises. Alors du coup je veux voir ce que c'est ça. On va save. Oui. Super alors. Tu es le meilleur. C'est vrai. C'est vrai. Ça, j'avais besoin de ça. Oh Terry, j'avais besoin de ça. Terry. Merci Terry. Oh, me sens mieux. Tu es le... Je suis le meilleur. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Je suis le meilleur. Yes. Et voilà. Alors, heureux. Quel fils de... Mais non, c'est grave, hein. $1,200 pour des rambardes que j'ai déjà. Ou... Oh fuck. Terry, voici mon pognon. Oh la cock door. Waouh. Oh la cock door. Par contre j'ai plus de thunes. Ça... Et encore, et dites-vous que là, le prix, c'était quoi? C'était 5600. Dites-vous que j'avais 20% de réduc. Donc, si on est logique, de base, il coûtait... Il coûtait combien, du coup, de base? 8K? T'es sûr? Non. Non, c'est pas... C'est... Non. Ça devait être 7K, ouais, je pense. Ouais, 7000K, ouais. Donc plus cher que les rambardes que j'ai acheté juste avant. Non, elle est moins chère parce que j'ai la réduque, Terre. Mais ça veut dire que de base, sans la réduque, elle serait plus chère. Attends, on peut faire un bateau en or, je savais même pas. Je viens d'apprendre qu'on pouvait faire un bateau en or. C'est combien de points, du coup? Oh, tu as 141 points, tu es maintenant un client de platine. Ouais, c'est vrai que j'ai un client de platine. Ça veut dire une rembiste au 30%. Yes! Et un cadeau? Let's go. En ça, je deviens un client VIP. Ok. Après, tu coûtes cher, mon pote, hein. Faut être honnête, hein. Tu coûtes tarpé cher, hein. Faut te le dire, hein. Sauvegarde en cours, ça sauvegardé. Maintenant, je vais dans ça. Je remets ça. On reset. Miaou. Eh, mais tu avais un frigo. Pardon, elle avait un frigo, tu le sais. Je sais. Ma pirate, mais j'ai déjà fait Hydro, il veut plus me redonner plus. Oh, on peut faire un bateau en or, ça par contre je savais pas. Ça je l'apprends pour être honnête. Pour être honnête je l'apprends ça. Il a pas save. Si. Si je save. Si j'ai fait un post-aventure. Ah c'est pour ça. Quand j'étais gamin je faisais pas ça moi. Quand j'étais gamin, je faisais pas le post-aventure. C'est quoi ça? Oh, bienvenue! C'est quoi ça? Bon, en vrai, j'ai pas assez pour l'acheter, mais. Dis-moi que ça. 4900! Ça se revend très cher, bah no shit hein. Mais bon, attendez je reset encore. Du coup je vais peut-être aller sur l'île d'abord.
Donc il me faut combien là? Il me faut 950 et oh putain, il me faut... Oh, il me faut tellement. Oui, mon petit chat, oui, je t'entends, mon petit chat, oui. On va vite aller sur l'île Belka, voir si je peux pas faire... il me faut quoi, plus de 5000 là? J'utilise le coupon pour, avec la don. Ah ouais, genre vraiment ça vaut quoi à ce point là? Attendez, d'abord, c'est ça d'abord. Genre ma récompense, c'est quoi ma récompense du coup? Une lettre de Terry. Hein, joli. Attestation de client de platine, merci de ta fidélité, salut, tu touches Terry. Ouais, tu as atteint le niveau de client de platine. Un bon de compliment bonus numéro 3, putain. Sale con, hein. Ouais, ça se trouve, fallait peut-être pas que j'utilise le coupon de félicitations. Ça se trouve, j'ai pas pensé à ça. Ça se trouve, il fallait peut-être pas utiliser le coupon de félicitations. Et garder les 3 coupons. Merde. Ah, pas pensé à ça. Mais qu'est-ce donc? Bah oui. Ah, j'en ai plus. Non, j'en ai dit. Ah, mais vous n'avez pas de votre disponible, vous n'avez rien d'autre? Si. Après, c'est que de la babiole, ça qui est chiant. Les pièces de bateau, j'ai rien d'autre. Bon, alors du coup, on va voir pour l'anneau, du coup. Ah! Encore une... Encore... Putain, vache. Ah oui, mais en vrai, ce jeu, c'est vraiment... Faut... Enfin... Ouais, de Joanne la sirène. Faut vraiment se connecter tous les jours, quoi. C'est le lead role. Ah oui, du coup, faire avec la voix. Ah bah non, pas besoin, forcément. Pourquoi mon stream deck, il marche plus? Oh, le stream deck, il marche plus. Peuplou. Cher Lionel, je te remercie d'avoir apporté cette lettre l'autre jour, je suis très content d'avoir vu ma sœur. Ouais, c'est super, nous sommes séparés mais les cœurs de battent à l'unisson. Ouais, c'est super, allez, au revoir. Tiens, prends cette goutte que j'avais gardée. J'espère que ce témoignage te plaira. Oh, ok. Ok. Ah, j'aime ce que tu me dis le. Ah ouais, la question que je pose c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser le coupon pour l'avoir gratos quoi? Parce que je peux l'acheter tu vois. Est-ce que l'investissement vaut le coup, ça la question? Ah bah. On va voir. On va voir. On va save. Le problème c'est que l'autre pièce de bateau qui vend, il me la faut aussi. Vas-y, on va utiliser le coupon. Ok. Tout. Non. J'espère que ça vaut le coup votre histoire. Après là il faut 4900 quand même. Hein. Il faut quand même 4900 pour la maison là je crois. Hein. Pour la maison coquillage ouais. Donc bon. Donc. Oh ouais, ouais. Ah c'est 1500. Ah. Vas-y hein. Ah, il faut encore quand même il me faut encore 2000 hein. Enfin 2000 et quelques hein. Ouais.
Je vais jamais avoir assez, hein. Non, bah bien. Ouais. On va faire ça. Est-ce que... Après, à choisir, je préfère garder mon coupon pour quelque chose de plus utile, quoi. Genre, enfin, acheter une bague pour ça, je vais pas te mentir que, bon... J'ai vu mieux, quoi. Les coupons pour la pièce, bah ouais. Mais enfin, peut-être pas pour celle-là, du coup. Ta gueule ! Ta gueule ! Hop, sauvegarde. Je vais en faire un dernier juste pour remettre l'heure normale de mon ordi, ok? Pardon, pour parce que mon émulateur bug. Et du coup, faut que je relance l'émulateur. Voilà. Ah, j'avoue, la pièce d'or. Et après, acheter les pièces, ça donne beaucoup de points. Et du coup, pour le programme, pour les programmes genre VIP et tout, ça te met trop bien, quoi. Allez, go. Allez. Allez, dis-moi que tu vois la maison en pierre. Allez. Allez. Je suis même prêt à utiliser le coupon. Je suis prêt à utiliser le coupon. Piche. 50 rubis, je peux le revendre 50 rubis. Let's go! Let's go! Bon, allez. Bon, t'es bien gentil, mon Terry, mais va te faire foutre. Allez. Allez, va te faire foutre, Terry. Dans vente change, donc si un objet vaut 50, il peut avoir. Ah, mais c'est pas genre fixe à ta partie, genre? Donc là, par exemple. Si j'y vais et que je tombe des trucs que j'ai gardé, ça peut valoir plus cher? Alors si vous dites vrai ou si vous dites faux. Hein. Allez, après faut qu'on aille sur l'île des morts, bordel. Faut qu'on avance l'histoire, il nous reste qu'un minerai à choper, une épée spectrale à faire. Et on sera bon, mais merde. Bon, par exemple, du coup, là, est-ce que ça il prend comme un trésor? Ah, lourd, hein. Lourd, 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 lourd. Lourd, lourd, lourd. Ta gueule. Ta gueule. Ah, c'est selon l'acide, voilà, on est d'accord. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que les vendeurs comme ça classiques eux aussi ils ont un nouveau shop? Comment tu le vends ça? Eh, transformez votre or en argent. Ah bah nickel, je l'achète 400, je leur vends 800. Some little stonk sage over here. Tu arrêtes tes conneries? Hein? Hop là, payé 400, revendu 800. Let's go. Je suis un businessman. Mais avant pas de partie de bateau, elle, par exemple, tu vois. Bon, on y va. Allez, faut qu'on aille faire du démon. Ça suffit ces conneries. Ça suffit ces conneries. Mais évidemment, dès qu'on aura fini l'île des morts, on refera du business. Hein, parce que bon, si je peux avoir le bateau en or, évidemment qu'on va le faire avec grand plaisir.
Hop là. Quoi ? Ouais. Allez, let's go. Let's go, let's go. Allez, direction. L'île des morts. Faut bien qu'on la fasse quand même. Il y a vraiment trois requins. Oh merde. Ah, barrez-vous maintenant. Vraiment, du coup, je sais pas où est-ce qu'il est parti de l'aventurier. Hein. Ennemi en vue. En effet, il s'arrête juste à côté de moi, donc c'est parfait. Je pourrai chercher le coffre direct. Pause. Je vais chercher votre trésor. J'arrive. Wow. Quelle maîtrise. Allez, on y croit évidemment à la cabine en pierre, bien sûr. C'est toujours le truc dont j'ai besoin. En vrai, si j'ai la cabine en pierre, je vais avoir le bateau entièrement en pierre et du coup, j'aurai 7 cœurs. Donc bon, après bon, c'est vrai que bon, du coup, si on peut avoir un bateau en or, évidemment, je ferai le bateau en or. Hein. Enfin, si je peux l'avoir, évidemment. Rien n'est dit encore. Et déjà, on a eu la coque. Donc c'est bien. Elle nous a rapporté plein de points. On est client de platine, bientôt VIP. C'est bien, ouais. Salut Bakaneko. Eh ben ça va hein. Ok, je l'avais pas. C'est pas forcément ce que je veux, mais je l'ai pas, donc bah on prend bien. Ah celui-ci pour le sabot faire à Gwildar. Merci beaucoup. Alors, cette île des morts. Ça dit quoi de beau? Ça va que c'est ce que j'ai fait, donc ça va. Ah, tu profites un peu. Allez, c'est parti, l'île des morts. Un peu d'histoire après plus de 3 heures de farm de rien. Et en plus, je vais cut la VOD comme ça. Cette VOD là sera propre. Et ça c'est cool. Donc il y a un cimetière, une pyramide, plein de choses comme ça. Je cut la VOD maintenant.